Nous sommes arrivés à Police à temps pour la conférence pour la paix. Il n'y aura pas de paix. Juste la guerre. La dernière guerre. Maintenant, je connais les réponses à toutes les questions. La tête de Pavel a été une mine d'informations pour connaître les plans de Corbut. C'est très étrange ici. Attends. Il faut que je voie.
Protège ses enfants. Attention! Elle protège son dos. C'est son point faible. Artyom, par ici! Dieu merci, t'es vivant. Et tu as amené un ami? Attends, mais c'est... Artyom! Cet enfant devrait pas être là sans masque à gaz. Mais bon sang! Ah, c'est donc ça, voilà! Un enfant de la surface, un sombre. Non, ne le tuez pas, Melnik! Alors éloignez-le de moi! Pas de masque, j'aurais dû me douter. Celui-ci est vert, mais celui-là est jaune. Dis-lui qu'il ne craint rien. On dirait qu'il s'adapte bien. Ouais, ça va l'aider à vivre. Je peux... lui parler, Artyom? Colonel Melnik, n'ayez aucune crainte. Cet enfant est le futur. Il suffit de lui prendre la main. Mes mains sont déjà pleines. Je doute que cette créature nous aide. Mais vous deux, partez sans moi, avant que je change d'avis et que je l'élimine. Commencez. Oh! J'arrive à entendre ce qu'il pense! Et toi aussi, Artyom! Tu peux entendre les pensées des gens rien qu'en les touchant? Avec Artyom, c'est différent. On peut parler à distance. Il a été... adopté il y a longtemps. Tu comprends, Artyom? Les sombres t'ont changé afin qu'ils puissent nous comprendre! Y a quoi derrière la porte? T'as entendu?
Il t'appelle. Je les entends. Ouvre vite. Mais... on dirait une des portes scellées de D6. Oui, AVDNKH. Son verrou est gros. Mais il faut le casser. Y'a quoi derrière? Mon peuple. Ils sont dedans. Ils dorment. Incroyable. C'est pas vrai. Ils hibernent. Il est pas tout seul. Je dois les réveiller. Il est temps pour eux de vivre. On va tous entrer là-dedans. On va ouvrir la porte si on peut. Il y a... la mort... tout près, tout autour. Mais je dois les réveiller ou je serai seul à jamais. Bon, écoute. Aide-nous et on t'aidera. D'accord. Que faut-il faire? Je dois les réveiller. On va devoir improviser. Hé hey, réveillez-vous, Arthur. Colonel, vous pouvez ouvrir la porte au bout de la ligne des jardins à D6? Vous avez le code? J'ai tous les codes de D6, mais je te promets rien. Il faudra bien. Il va nous aider à police si vous le faites. Emmenez-le alors, et tenez-moi au courant. Si je suis sûr qu'il nous aidera, j'ouvrirai la porte. Suivez-moi.